Quel pourrait être l'intérêt pour une entreprise d'investir dans la RSE? C'est comme une assurance vie presque, d'éviter le risque de réputation, des problèmes qui apparaissent en amont de la chaîne de production, en investissant avec des méthodes, des codes de conduite et une traçabilité ouverte. Si un problème, ce n'est pas son problème, c'est le problème de toute la chaîne d'approvisionnement et le consommateur en tiendra compte. Elle ne peut pas tout maîtriser, l'entreprise. Donc, pour résumer, l'intérêt qu'une entreprise a d'investir, c'est de s'assurer le long terme de manière, on va dire, politiquement correcte. Ce sera une norme normale plus tard. C'est obligatoire. C'est une question d'éthique, d'évolution sociale. Ou encore autre chose, l'intérêt qu'une entreprise a d'investir dans de la RSE, c'est parce que c'est toute la partie soft. On ne connaît que le prix d'un produit et une marque, mais tout ce qui se passe en amont, c'est là que ça se passe. Les conditions sociales, écologiques. Donc, on va tourner la question autrement. L'intérêt, c'est que si une entreprise n'investit pas dans les RSE, elle est condamnée à moyen terme. Ça va devenir une norme. L'élément le plus important, la valeur la fondamentale de la RSE, ça doit être la transparence. Ce n'est que par la transparence où tout est mis à plat. Et les consommateurs, les organisations peuvent juger sur des faits et des chiffres. Ça peut éviter toutes sortes d'interprétations un peu marketing. Bon, ça commence par transparence et on ouvre, on monte de niveau. Et les entreprises du futur, ces entreprises pour qui la transparence sera naturelle. Donc c'est l'importance de la RSE, la valeur fondamentale, c'est la transparence.